Allô, allô, salam alaikum. Kirakum Chelebes, Saraftorkom, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens faire une petite vidéo, vite fait, en demandant de vos nouvelles. Hein. J'espère que vraiment tout le monde va bien. Maintenant, au réel, en fait, je sais qu'il y a des gens. C'est-à-dire, ici. Et puis c'est tout. Il y a des gens, je pense, qui sont très très mauvais. C'est des gens très mauvais. Et c'est incroyable. C'est-à-dire, peut-être, ça me rappelle un peu mon père, Mskin. C'est-à-dire que, peut-être, je comprendrai jamais comment on peut être. Comment on peut représenter le mal à ce point, tu vois? Quand tu sais pas que dire c'est dans le mal. Quand tu sais pas, l'insan m'adore. En Kabyle, on dit m'adore. L'aghalb. Mais y a des gens, ils savent. C'est le mal personnifié. Bonne et due forme. Normal. Normal. Et ça, je m'habituerai jamais en fait. Bien sûr, il y a des gens, ils vont me donner des leçons. Irbouni, à mon âge, ils vont m'expliquer que le monde est fait comme ça et tout le tralala. C'est comme si moi je découvre tout ça. Mais je maintiens ma phrase quand même, pour ceux qui veulent bien comprendre ce que je veux dire. Je comprendrai jamais comment les gens ils peuvent être le mal. Ils savent que c'est le mal, ils le font. Normal. Je comprendrai jamais. Voilà. Pardon. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas de la grande philosophie, mais bon, c'est comme ça. Je m'en fous. Donc à mon avis, par rapport à la situation, à l'actualité politique, internationale, nationale et tout le tralala, là, à mon avis, les choses vont aller en s'aggravant, Yannès. Ça va aller. Déjà que c'est très difficile, je vous l'ai dit, moi je ne fais absolument pas confiance à ce régime algérien qui est un régime sanguinaire et un régime qui ne veut absolument pas changer. C'est-à-dire, on a tous les éléments qui disent que impossible de changer. Impossible de changer dans des conditions normales. Impossible. Le régime Hada, il ne veut absolument pas changer. Qui m'a galé la région et qui ont causé le malheur de leur peuple et qui ont causé les révolutions. C'est eux la cause de la révolution, bien sûr. On nous parle de complot et tout. Mais les vraies raisons, pour moi, bien sûr, je demande à personne de me croire. Neslim Shabbat en fait, qu'il me lâche les baskets, c'est tout. Arrêtez de me faire chier parce que le Wadidji, non, en plus, si tu veux pas écouter, tu n'écoutes pas. Les gens qui sont pas d'accord, ils peuvent l'exprimer. Et ceux qui me rentrent dedans et tout, allez au diable, en fait. Voilà, je sais que ça va aller en s'aggravant. Je sais aussi, Bli, on va avoir de plus en plus affaire à tous les voyous, les malades mentaux et les débiles. Plus on avance, plus on aura ça, en fait. Et plus ils vont devenir violents, tout simple, parce qu'ils paniquent, parce qu'ils savent qu'ils ont tort, et il ne reste que dra pour avoir raison. Ma fiache swab, ma fiache aqliya, ma fiache tchmem, ma fiache ou convaincre les gens, etc. Non, c'est sben, el kafir, el kha'in, etc., etc. لو كان ماشي انترنت كان يخرجوا السلاح ويضربوا في الناس اون بوان دو فار. انا نقول لهم الناس هذو كي تزعف عليا ضرب لورديناتور تاعك بالراس هكا تي فا سونتير tu as fait quelque chose. Mais je pense que ça va aller quand même en s'aggravant. C'est comme ça. C'est l'histoire qui veut ça en fait. Wallah يجيب الخير. Et ألف مبروك للليبيين. ألف مبروك. On va voir ce que ça va donner. Moi, je rejoins ceux qui ont dit,
Le fait qu'ils étaient obligés de passer par l'OTAN, où l'OTAN a sauté sur l'occasion quand Kadhafi disait je vais massacrer tout le monde, je vais massacrer tout le monde. Houma, ils ont sauté sur l'occasion. Donc il y a les forces internationales qui sont rentrées dans le jeu. Maintenant, on va voir. Parce qu'il y a. La belle, Anna, Dart, Anna, Anna, Sebouni, etc. Oh là là, ils ne savent même pas ce qui se passe. En fait, en Libye, actuellement, il y a un programme. C'est-à-dire qu'il y a la période de transition, élection d'une assemblée, ensuite présidentielle et tout. J'ai lu l'autre fois le programme qu'a présenté le CNT. Et le CNT finit son travail quand ils ont élu démocratiquement une assemblée qui représente le peuple. Je l'ai vu dans leur texte, etc. C'est ce qu'ils ont fait passer. Bah, on verra. Si les intérêts supérieurs du peuple libyen sont protégés réellement, c'est que Anan Goul, bravo, c'est-à-dire vous avez fait la totale. Si les charognards, les vautours, Kima Bernard-Henri Lévy et compagnie, s'ils continuent encore à décider des intérêts des Libyens, là, effectivement, c'est vraiment mal pour les Libyens parce que les Bernard-Henri Lévy, les Israéliens, les Américains, les Français, les Anglais, je parle des États, hein, chez Chouaub, des États, ils sont contre les intérêts des peuples. Ils sont contre nos intérêts. Du coup, ça va être un malheur pour les Libyens ou là pour les autres pays. À chaque fois qu'il y a intervention étrangère, c'est le malheur total. Hein, c'est le malheur total. Hein. Les Américains, on ne les croit plus. Bien sûr qu'on les... Mais si on ne les croit plus, on ne les a jamais crus. La belle n'a les Américains, les Français, les Turcs, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont horreur de la démocratie. Ils ont vraiment peur de la démocratie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allah ykoun fil'aoun. Pour tout le monde, Inch'Allah, ghir l'khair. Et puis le régime algérien, on va voir comment Raïkhara. Et on le voit, certains paniques là déjà. Khaïfin à les fortunes, comme les sarktouha.